Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PlayStation 4 sur FIFA 14 parce que je vais un petit peu varier entre la version Xbox One et PS4 parce que j'aime bien les deux tout simplement et vu que j'ai deux manettes sur la PlayStation 4, je vais faire un match contre mon neveu. Vous m'avez proposé en commentaire de faire des matchs avec des youtubeurs et avec des abonnés et avec d'autres personnes. Là je vais en faire un contre mon neveu en local puisqu'on est à la maison, mais si vous voulez que je fasse ça avec des youtubeurs, si vous avez des noms, je sais pas, par exemple Mr. B-Boy, pour ne citer que lui, ou d'autres, bah dites-moi en commentaire le youtubeur que vous voulez voir en vidéo contre moi sur FIFA. Par contre, si des personnes me disent Psycho17, par exemple, je ne le connais pas, mais c'est un poil trop fort, faut essayer de trouver une personne qui a le même niveau que moi. Voilà, c'est très simple. Et je vais aussi faire ça avec vous, les abonnés. Donc, ça sera soit contre les youtubeurs, soit contre les abonnés. Donc, ceux qui ont le jeu sur Xbox One et PS4, préparez-vous à pourquoi pas participer à une vidéo, mais il faut avoir Skype. Hein, pour discuter pendant la vidéo et surtout avoir un bon micro pour le PC, parce que si c'est un micro dégueulasse, bah, ça va pas trop le faire. Voilà, je compte sur vous pour ça, pour mettre un petit like à cette vidéo parce que je sais que vous aimez bien le foot, je l'ai vu sur la dernière vidéo. Et également, avant de commencer, vous devez dire qui va gagner entre moi et mon neveu, c'est très simple. Hein, vous devez dire soit c'est moi qui gagne 3-0, si je vais perdre 2-1. Voilà, à vous de me dire. La dernière fois, vous avez tous été pour Dark Funeral, malheureux. Enfin, tous, 70%, et pourtant j'ai gagné. Donc voilà, mon neveu et moi, on est pratiquement d'un niveau équivalent. Donc à vous de me dire qui va gagner entre lui et moi. Les personnes qui iront à la fin de la vidéo pour dire le score, c'est nul. Hein. Donc je compte sur vous, et puis c'est tout. On va commencer. Hop. Alors, tout est bon. Hein. Pourquoi mon joueur n'est pas là? Moi je vais changer parce que je sais pas, il est où Brandao? Ça fait deux matchs que je le cherche mais je trouve pas. Donc Brandao, pourquoi il écrit but? Ah, ok, bah je vais le remplacer par rapport à Harding parce que j'aime bien Brandao. Et puis on est parti. Hop hop hop. Oh, je vais te fumer. Bon, après, si vous voulez savoir, généralement je bats mon neveu. Mais comme je dis, quand c'est une vidéo, tout peut changer. Hein. Hop, on va commencer direct. Attendez, hop, 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 voilà. Bonjour à tous, Hervé Matou, en compagnie. Bien bonjour. On a à Saint-Etienne de toute façon. On a fait un petit derby, hein, parce que mon neveu adore l'équipe de Lyon. Et moi je me suis dit, la meilleure équipe pour affronter Lyon, c'est Saint-Etienne. Un petit derby, on va dire, stéphanois à Lyon. On est d'accord. Bah après, si vous avez des matchs que vous voulez voir précisément, vous me le dites en commentaire, de toute façon je lis tout, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un derby comme il l'a dit. Oh, oh, pourquoi il a fait un France comme ça? Oh, il s'appelle Fabrice l'arbitre, hein, juste pour savoir. Si tu veux savoir son nom. Oh, oh c'est le moine, j'adore le moine moi personnellement. Ouh là là. C'était pas mal, mais un petit peu trop téléphoné. Peut-être tu m'as passé un coup de fil. Oh là là, il est tout seul. Cyril Hanouna, Cyril Hanouna. Je crois qu'il s'appelle vraiment Hanouna en plus. Je sais pas, j'ai pas vraiment vu son. Bafetimbe Gomis, ouais, son prénom, je sais pas comment. Je sais pas comment ils ont pu arriver à l'appeler comme ça. Attention, attention Nacero. Je te sens bien chaud là. Enfin, je me parle tout seul. Hein. C'est normal. Voilà, il court vite, dis donc. Mais c'est bien, tu le fatigues comme ça. Mais c'était une bonne approche. Tu voulais faire ton boucher, c'est ça? Mais pourquoi il change de joueur? Ça fait la deuxième fois qu'il me fait ça là. Son partenaire.
c'est bien joué. J'avais vu de loin, mais... Non! Non! Bien joué, bien joué. Bien joué. Ah. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, se manger un but. Ah, en plus, j'aime pas cette célébration. Je la déteste. Qu'importe le joueur. Déjà, lui, j'aime pas trop comme joueur. Mais toi aussi, là, fallait bouger, Abrutus. En fait, je pensais que t'allais faire une passe. Donc, mon défenseur, en fait, je le reculais, mais... Bon, c'est pas grave. Ah oui, ça, c'est pas un problème. Mais généralement, quand je me prends un but, je suis... Attends, je voudrais juste voir d'où il est hors jeu. Ok. Ouais. Non, il est hors jeu, il n'y a pas de souci pour ça. Mais je voulais juste savoir le comment du pourquoi. Ah oui. Oh non, mais la faute là. Normalement, tu mets un carton, l'arbitre. Eh, l'arbitre a un carton. Normalement, ça aurait peut-être même pu être le rouge, hein, s'il l'aurait fait. Oui, mais tu l'as touché un petit peu. T'as peut-être touché la balle. La balle est partie. Gars, mais toi, juste après, c'est ça qui a fait la faute. C'est le fait que tu lui ai donné un autre coup après ballon. Ah, ça, les footballeurs. On va tenter un petit coup franc. De toute façon, je suis jamais très bon en coup franc. Ah, j'aurais peut-être dû laisser l'endroit. Mais c'est bien que c'était un carton. Ça veut dire que tu pourras pas faire. Oh oui, non, je sais bien, mais imagine tu te prends un rouge, après tu vas être dans le caca. Oh, vas-y, mais là, c'est roux, tu frappes dans tous les sens. Tu frappes, t'appuies sur ta manette comme un fou et ça sert à rien. Bafé Team B. Ah, Bafé Team B. Ça m'énerve, là j'aurais pu marquer. J'étais un petit peu poussé, j'ai peur qu'il y ait le pénalty. Oh, on passe. Oh, ça passe. Ça, j'aurais été toi, j'aurais frappé direct. Après bon, il aurait pas eu beaucoup. Ouais, en fait, il a pris un tout petit élan. Pour nous. Il l'a touché. Mais c'est quoi cette arnaque? L'arbitre doit être lyonnais. L'arbitre doit être... Oh, regarde, lui se prend, je sais pas, il s'est fait un claquage tout seul. Alors, attends, oh, regarde-moi, regarde ça. Oh. Bon, allez, c'est pas tout. Bien beau de rigoler. Oh, putain. Bien joué, bien joué. Ce que j'aurais fait aussi. Malheureusement, on a, enfin, j'ai envie de te dire, on n'a pas des grands clubs. Ah, oh, Gomis. Ah, mais ça, t'as mis une frappe sur 5 ans, ta dernière fois. Ouais, ça pousse moins, gêne moins. T'as raison. Allez, quad. Non, elle est bonne. Oh, mais c'est quoi? Oh non, ça, c'est mauvais, ça. Je préfère la dégager loin, loin, loin. Regarde, même le gardien a dit que c'est mauvais. Il a fait, oh non, je la touche même pas cette balle. Excellente interception, bien joué. La casette du sorcier. Tu connais la casette du sorcier? Non, je vais tout seul, je préfère y aller tout seul. J'aurais pu faire une passe, mais je voulais... Oh oui, c'est beau ça. Oh, bien joué ta sortie.
Par contre, j'ai pas compris pourquoi. Oh, ok. Je vous disais pourquoi aucun de mes joueurs partait. En fait, ils avaient prévu qu'il allait avoir une touche. Des fois, les joueurs ils arrêtent de courir. Je sais pas si ça t'arrive toi aussi. Des fois, ils arrêtent parce qu'ils savent qu'il y a une touche ou que ça va sortir. Ou... Oh, Brandao. Oh oui non. Oh non, c'est quoi? Oh non. Bon sang de bonsoir. Ça me dégoûte ça. Regarde ce tirage du maillot. Ah mais là j'avoue c'était chaud. Non mais pour le but. Attends, juste faut laisser parce que. Dire ton gardien, il est niqué. Là la tête était pas mal la tête. Et bah montrez pas l'action. Et pour. Il avait pas sorti, il avait pas corner? Non. C'est pour ça que j'ai laissé moi. Vas-y, voilà l'arnaque, c'est bon, vous m'avez gavé. Ils se battent entre eux. Non mais là j'avoue, juste pour l'action, j'aurais mérité de revenir au score. Et toi tu dois dire quoi pour tout à l'heure? Parce que si on parle de chance, il y a la mi-temps. Fais attention parce que Dark Funeral, il avait fait la même erreur. Il a voulu jongler, jouer le fou, j'ai récupéré la balle, j'ai mis une frappe de loin. Oh là. Putain, c'est quoi cette passe de merde? Ouh là 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 là. Vu le tac que je t'ai mis dans la surface. Oui. Ouh là 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 là. Bon, je voulais rester. Oh. But vraiment de merde parce que. Voilà, il y a un de tes joueurs qui est blessé, c'est bien ça. Bah attends, il y a peut-être se rétablir. C'est bien là. Non, vas-y, je te laisse faire ton changement. Effectivement. Un galon d'or file un carton jaune. Il a rien commis. Bah, c'est ce qu'il avait écrit en haut, en tout cas. Donc, Ouais, mais même moi, je l'ai vu. Ah, mais c'est une fois, on ne vadera pas en arrière. Je te dis, il aurait pu se remettre. Hein. Mais vu que tu m'écoutes pas. J'ai fait l'engagement avec lui. Non, c'est comme dans le vrai foot. Le mec, il s'est pris un tac, il va mal, et il boit de l'eau, et 10 secondes après, ça va, il va mieux. Pourquoi, mais là je sens que je vais te mettre au moins 3 buts. Oh, mais c'est. Pas assez forte. Lui, c'est un guerrier, le mec là. Non. Le défenseur a levé la main. Et s'il lève la main. Ouais. Mais on l'a pas vu au moment où il a fait la passe. Allez, on peut y aller. Là, on va voir ça. Est-ce qu'elle est rentrée vraiment? Tu veux, on peut faire ralentir et vous ça va. Attends, comment on fait pour faire ralentir?
Ah là, c'est vrai que c'est. Par contre, c'est mort. Non, là, c'est bon. L'action a été faite, là. Non, c'est là, si, c'est là. Eh. Là, t'as juste la vue sur l'arbitre. Je sais pas comment t'as fait pour mettre cette vue. Attends, arrête-toi. Et change de vue. Eh, tu m'as dit que tu connaissais, hein. Voilà. Là, tu continues. Là, il y a la frappe, on est d'accord. Frappe toute pourrie, mais c'est une frappe. Tu peux plus zoomer comme avant. Attends, attends, attends. Là, ça a fait ça. Et là, si, elle est rentrée. Quand tu vois le pied de la personne, tu vois qu'il était dans la cage et pour frapper, bah. Ah mais si, il y a eu le but du truc d'heure. Oui, non, mais il y a but. T'as cru qu'il n'y avait pas but là? Ah ouais, je crois qu'il n'y avait pas le but, moi. Ah ouais. J'ai pas gueulé, j'étais content. Ils oublient ce but, casquette. Hey, ils m'ont fait une fois. T'as eu trois actions, moi, comme ça, où j'étais sur la ligne. Hey. Excellente interception. Faut Bien pas joué. pousser mémé dans les orties. Hein. Maxime Guénalon. Et bah, moi, je le dis souvent aussi. Regarde, lui, il sait même pas courir. Hein. On dirait un cheval qui trotte. Là, je vais te mettre une pression de fou. Je lui dis, moi, comme Dark. Il menait 1-0, là, il y a 2-1. Mais je lui dis, je vais en mettre 3 buts. Comme quand il dit, il va en mettre 3. Tu connais notre chan? Mais non, mais il est. C'est pas grave. 69 en plus. 69ème minute. Comme Lyon. C'est un signe. Et Cyril Hanouna, faut arrêter là. On commence par bien jouer. Ah, un petit peu forte. Mais c'est pas grave. Monsieur Coty. Ouh! 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 Eh, ça, c'est ce qu'on appelle hein, du coaching. J'ai mis Brandao, hein, et c'est Brando qui est toujours dans les actions. C'est ce qu'on appelle du coaching. Ça aurait été Erding, là, où je sais plus qui que j'ai remplacé, il l'aurait pas mis. Et j'ai eu peur, je t'avoue, au début, quand tu m'as mis le but, ça m'a foutu un petit peu la haine. Puis voilà. Si toutes les fois je te bats, et comme par exemple, on fait une vidéo. Tu me bats. Ah, après, il y aura des matchs revanches et tout. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, ce sera remonter. Vous devez placer le mot remonter dans un commentaire, tout simplement, mes petits loups. Il y aura celui-là. En fait, c'était une feinte. Hop, hop, hop. Bon, maintenant, je m'amuse parce que je sais que le match est un peu plié. Ah, je l'ai bien bloqué ton Gomis. Hein. Oh, ça c'est pas mal. C'est pour ça qu'il n'est pas à faire en haut. Et regarde, faute de quoi là? Tout ça parce que je suis arabe. T'es moi alors, je sais quoi. Bah, toi t'es plus petit donc t'as moins de. T'es moins dans les. Oh, regarde, je vais y aller. Je fais une petite passe. Ça va l'en touche, regarde, touche. Pression, la pression! 2 plus 3, Yanis. Je te parle en fait. Quand on parle à quelqu'un, elle est toujours moins concentrée qu'une personne qui ne parle pas. Voilà. À toi, je t'ai vu. Toti, là-haut, je t'ai vu. Allez, tu peux y aller. Oh oui. Oh, mais c'est ça, je suis remis, j'aurais mis une reprise directe. Ok. Il a besoin de 2 balles. Téléphoner cette passe. Ah bah surtout parce que je t'ai fait un pressing. Là je te laisse rien faire là. C'est quoi ça? Oh là. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Énormément carton, obligé. T'es obligé de le sortir le carton, bah oui.
Vous avez beau être blagues tous les deux, il n'y a pas de. Voilà. Oh, il a pas mis. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Allez. Ah bah sûr que tu fais tout le temps ça quand je te. Quand tu sais que le match est perdu. Oh, j'aurais peut-être dû aller directement. C'est pas bon ça! Et quand il y aura un match revanche, pas de soucis. Oh, t'as vraiment de la chance. Et bien voilà mes petits loups. Bah, j'espère que ceux qui auront trouvé 3-1 et une victoire de ma part, bah, félicitations à vous. Ceux qui m'ont redit pardon. Bah, pour l'instant, Monsieur Coty, zéro défaite, même si j'étais toujours mené au score au début de mes vidéos. Mais bon, le talent, c'est le talent. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Salut !